Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Je vous montre tout simplement comment vous pouvez faire blanchir vos dents en 3 jours. Donc, si vous le faites tout le temps, vos dents seront vraiment, vraiment, vraiment blanches. Voilà, donc, et pour cela, on aura besoin d'un seul ingrédient, donc à savoir la banane. Donc vous prenez une banane bien mûre, vous enlevez la peau et puis vous mettez la peau, cette peau dans, vous la faites sécher. Bon, comme ici en Europe, il n'y a pas actuellement là, il n'y a pas le soleil. Donc ce qu'on va faire, on met la peau de la banane dans le four. On met la peau de la banane dans le four, on la fait sécher. Voilà, et pour ne pas perdre votre temps, j'ai déjà fait cela. Et là, voici, elle est déjà bien, bien, bien sèche. Oh, vous pouvez ça. Vous voyez comment elle se casse facilement. Et ce que nous allons faire maintenant, on va l'écraser. Et je l'écrase avec mon petit mortier-ci. C'est un petit mortier. Et comme je ne voudrais pas que mon mortier soit noir après, je vais mettre du papier alu. Donc, je prends mon papier alu. Et je vais faire la même chose avec mon pilon. Voilà. Je mets tout ceci dans le petit mortier. Et je vais écraser jusqu'à obtention d'une pâte vraiment homogène. Mais comme la peau de la banane est déjà sèche, ça ne prend pas du temps. Et voici notre peau de banane. Donc, j'ai déjà bien écrasé. Et pour celles qui ont la pierre, égale vous trouvez, je sais pas moi où. Avec une pierre, ça va largement. Ça va très très vite. Mais ça va, j'ai pu obtenir cette pâte homogène. Bon, pour que ça me facilite la tâche. Donc, je vais la mettre ici. Ouais, c'est une poudre bien bien fine. Voilà. Très bien. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va donc aller et je vous montre comment je vais moi-même me brosser les dents avec. Voilà, donc à tout de suite. Bon, maintenant, je vais maintenant aller et vous montrer comment je brosse mes dents avec la poudre de la banane. Voici, donc je vais prendre une brosse. Voilà. J'imbibe le produit. Et voilà, je mets dans ma bouche. Donc, je brosse doucement, doucement. Je vais de côté.
Waouh. Ouais. C'est bien, donc je vais encore ajouter. Pour ajouter autant que vous voulez, comme votre pâte dentifrice. C'est pas désagréable du tout dans la bouche, c'est bien. Bon, pour ceux qui ne supportent pas, ou ceux qui ne supportent pas, vous pouvez mettre encore un peu de votre pâte dentifrice, juste un peu, et puis vous imbibez la poudre de la banane séchée, la poudre de la banane, et puis vous brossez normalement. Mais moi, c'est bien. Waouh, vous voyez comment les dents sont blanches? Vous voyez, non? Hein? Ah, ne dites pas que Titi Angie vous ment. Vous voyez vous-même. Voilà. Donc maintenant, on va rincer notre bouche comme d'habitude lorsqu'on sait brosser les dents. Donc, avec de l'eau. Le résultat est bluffant. Regardez. Bon, voilà, c'est ce que je voudrais vous montrer. En fait, vous pouvez utiliser, parce que c'est la peau d'une banane, c'est quand même assez, vous voyez ce qui est resté. Donc, vous pouvez continuellement utiliser, et puis vous allez avoir vos dents toutes blanches. Donc, moi, je vais continuer à l'utiliser chaque jour jusqu'à ce qu'elles finissent. Voilà. Donc, si vous avez aimé, vous me laissez des pouces bleus. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. L'abonnement est gratuit. On se dit donc à la prochaine vidéo. Bisous, bye.